hommes, citoyens, nous sommes le pape. À la veille des élections, nous voudrions nous adresser à nos représentants, présidents, sénateurs, députés, maires ou gouverneurs. Avez-vous oublié qui vous êtes? Vous êtes nos serviteurs. Nous vous avons choisi pour nous servir et non pour vous servir. Nous sommes le pouvoir et vous êtes les porte-parole du pouvoir. Par conséquent, vous nous devez conscience, obéissance et excellence. La conscience, c'est la faculté de distinguer entre l'essentiel et l'inessentiel, entre l'âme de l'État et les états d'âme. L'obéissance, c'est la faculté de distinguer entre l'ordre et le désordre, entre l'ordre général et les désordres particuliers. Et enfin, l'excellence. Eh bien, l'excellence, c'est la faculté de distinguer entre le possible et l'impossible, entre ce que je veux et ce que je peux. Apprenons-leur que nos fins importent plus que tous les moyens et la manière plus que toute la matière. Le peuple est un et indivisible. Il ne veut plus entendre parler de division ni de soustraction. Il est le peuple, le seul artisan de son heure et de son bonheur. Il ne supporte plus les partisans, ni de gauche, ni de droite, ni de droite, ni de gauche, ni d'autres centres d'intérêt que l'intérêt général. La politique ne peut plus être une dogmatique, mais elle sera une pratique fondamentalement éthique qui vise le bien commun et en même temps le bien de chacun. Monsieur le futur président de la cause publique, sachez que l'État, c'est moi, que je suis le roi, le peuple, le roi, qui peut à tout moment changer de laquais, reléguer ses délégués, substituer un valet à un autre valet. Je suis plein aux as, parce que je suis la lumière, l'énergie, la masse, avec ces trois mots de passe, liberté, égalité, fraternité, ou bien la mort, devrions-nous rajouter. Je vous annonce la création de la 6e République avec une constitution active et interactive qui va faire de ses gouvernants de simples subordonnés condamnés à consulter chaque jour le peuple qui les